Bon matin à toutes et tous, et bien on se retrouve pour le dernier message de cette semaine, cette dernière guidance intemporelle. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024. Vendredi 13, je ne suis pas superstitieux, je ne sais pas si vous, vous l'êtes, mais moi je ne le suis pas. Alors avant de commencer, eh bien voici la petite pensée positive de ce matin. Accepter de changer est la plus grande preuve d'intelligence. Et moi je vais dire, on ne peut pas changer, mais on peut s'améliorer. Changer à un certain âge est difficile, mais on peut toujours, toujours s'améliorer. Et s'améliorer, ça fait partie un peu du changement. Voilà, ça, c'est ma petite philosophie à moi perso. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le temple. Ah, le temple, c'est l'apaisement. Ce temple est le lieu, eh bien, des rituels sacrés. Il incarne la pratique des traditions spirituelles et des enseignements sacrés. Le temple représente, eh bien, votre propre sanctuaire, un espace sacré où vous pourrez trouver la paix intérieure. Alors, ça représente l'apaisement, c'est la protection, ça peut être la protection de la famille, la protection de votre union, ça peut être aussi la sagesse, n'est-ce pas? Le temple est un endroit où vous serez en harmonie avec vos croyances et vos valeurs spirituelles. Il rappelle l'importance de s'entourer de personnes partageant des aspirations similaires. Il est un puissant symbole d'apaisement et indique que vous êtes appelé à rechercher une connexion plus profonde avec votre spiritualité. Si maintenant vous êtes dans un cheminement spirituel, il est vrai que c'est peut-être difficile d'avoir dans son entourage les personnes qui ont le même cheminement. Alors, pour cette guidance, dans vos rencontres et interaction avec les autres, on vous invite à accepter, à permettre au temple de vous guider, voilà, de vous guider vers des connexions authentiques et significatives. Pourquoi pas chercher des âmes, eh bien, qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent vous inspirer dans votre cheminement. On vous invite à être prêt à partager vos connaissances et votre amour avec ceux qui sont prêts à les recevoir. Alors, je ne sais pas si vous avez posé une question. Je vous laisse un moment poser votre question. Ok, alors, la réponse est non. Certaines approches ou enseignements ne sont pas alignés avec votre cheminement actuel et c'est pour ça que c'est non. Eh bien voilà, on termine cette semaine avec le temple, l'apaisement. N'est-ce pas? Essayez de trouver des personnes qui ont ce même cheminement, qui ont cette même vision spirituelle que vous, parce que c'est vrai que lorsque on est spirituel, encore une fois, hein, la spiritualité, pour moi n'est pas, pardon, je m'excuse, la spiritualité pour moi n'est pas une religion. Pour moi la spiritualité c'est être meilleur de ce qu'on est,
faire en sorte de travailler sur nos problématiques, notre partie sombre, la mettre en lumière, travailler dessus. La spiritualité, pour moi, oui, nous avons un créateur. Je l'appelle le créateur parce qu'on peut lui donner n'importe quel nom, n'est-ce pas? Et le créateur, il n'est pas musulman, il n'est pas, enfin, voilà, toutes ces croyances, il y a un créateur. Et de là, eh bien, et il y a les lois cosmiques, il y a les lois divines. Et ces lois, elles appartiennent au Créateur. Et ce ne sont pas des lois que certaines religions ont faites. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est travailler sur nos distorsions, être meilleur parce que nous sommes revenus ici sur Terre pour améliorer nos qualités, nos vertus. Voilà, ça c'est pour moi la spiritualité. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et aujourd'hui, j'ai pigé le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de... Pardon, je m'excuse. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brisés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Eh bien voilà, je termine sur ce jugement. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite un très 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 joli week-end dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, l'empathie, le rire, la joie. Tout ça, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve, eh bien, prochainement dans une nouvelle capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.